Alors, je suis ici avec Jeanne de Armorik, une distillerie en Bretagne, en France. Pouvez-vous expliquer un peu ce que Armorik fait? Alors, on est la première distillerie en France. Mm-hmm. On s'est installé dans les années 1900. On a commencé à faire du whisky en 80. Et on présente aujourd'hui une gamme avec un blend et deux single malt tradition et des single malt en édition limitée avec, depuis l'année dernière, un 12 ans qui est sorti. Bon, j'ai entendu qu'il y avait aussi un maître de chai. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le maître de chai? Et expliquez un peu ce que c'est le maître de chai et le whisky. Alors, le whisky maître de chai que vous avez ici, c'est le maître de chai en anglais, c'est le master blender. C'est celui chez nous qui produit le whisky. Et cette année, il nous a fait une sélection d'un single cask, 6 ans, 2 ans en fût de Bourbon et 4 ans en fût de Chiri Oloroso, premier remplissage. Donc, c'est très gourmand. Et on sort chaque année un nouveau type de maître de chai. Et donc l'année prochaine, en septembre, on aura un nouveau dans d'autres fûts différents. Il y avait aussi un whisky de 12 ans, je pense que c'est celui-là. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire de ce whisky? Alors c'est un millésime 2002. Il a été mis en fût en 2002 et embouteillé l'année dernière. On est sur un 4 ans en fût de Bourbon et 8 ans en fût de Chéri. C'est le plus vieux millésime que nous avons. Vous faites encore d'autres choses ou vous faites seulement le whisky chez Armorik? Alors on fait autre chose puisqu'à la base on est liqueuriste. Mm-hmm. Donc on fait des liqueurs à base de plantes, appelées l'élixir d'Armorik. C'est 35 plantes qui sont macérées et distillées. Et après on ajoute du single malt et du miel. On fait aussi des liqueurs de fruits et on fait aussi du triple sec comme le Cointreau. Donc vous avez un peu de tout pour les hommes, pour les femmes? Voilà, mais notre activité principale c'est le whisky. Puisqu'on est une distillerie indépendante et familiale, donc on s'attache à faire de la qualité en whisky. Parfait. Et si les gens vont encore apprendre d'autres choses de la distillerie Armorik, est-ce possible de la visiter ou... Oui, bien sûr. Donc vous pouvez visiter la distillerie qui se trouve à Lannion, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Elle se visite entre mai et octobre. Et la visite est gratuite, comme on vous montre la salle de distillation. Lécher et on vous fait déguster l'ensemble de notre gamme de whisky, plus les sneakers si vous souhaitez goûter. Parfait. Et sinon, si on veut encore apprendre quelque chose, est-ce qu'il y a un site web où on peut aller regarder? Vous pouvez aller sur le site Distillerie Waringhem et vous allez retrouver nos produits importants, dont le double maturation qui est notre signature, notre produit phare sur lequel on a été primé plusieurs fois. Et on est sur un 6 ans, 3 ans en fût de chêne de Bretagne. On travaille avec le dernier tonnelier breton et 3 ans après en fût de Chéri. Parfait. Je vous remercie pour l'explication. Merci à vous. Et j'espère vous revoir sur un prochain événement. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.